Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le lundi 12 octobre 2020 et j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un très bon week-end et que vous êtes d'attaque pour reprendre cette semaine. Je suis désolé, je vous ai rien posté du week-end parce que je pensais avoir le temps de vous faire des choses et puis finalement j'ai pas eu le temps. Puisque le samedi, je vous en avais parlé déjà le vendredi, que j'avais rendez-vous pour un atelier donc chez une dame qui pratique plein de choses. Je vous ferai une vidéo qui sera complètement dédiée à elle où je vous parlerai de toutes les médecines parallèles qu'elle pratique. Ça peut vous intéresser et pour ceux qui sont dans le coin, s'ils veulent la consulter, vous pourrez, je vous donnerai toutes ses coordonnées et je vous expliquerai plus en détail. Et puis dimanche, donc aujourd'hui, jour auquel j'enregistre la vidéo, j'ai pas eu non plus le temps puisque j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Le tournage commence le week-end prochain. Mais de quoi il parle? Quel tournage? J'ai loupé une information? Oui, vous avez loupé une information puisque j'ai fait une vidéo que je vous mets ici, là, en haut, dans le petit i, où je vous annonce la création d'une seconde chaîne qui s'appelle Monde Orlésia. Et il s'agit d'une web série que nous allons donc tourner sur la thématique du médiéval fantastique avec comme trame de fond la magie, la sorcellerie, la voyance, etc. Donc je vous laisserai découvrir ça et on commence donc le week-end prochain et on avait plein de choses à voir et à revoir ensemble avec l'équipe de tournage et les acteurs pour voir comment on s'organisait, ce qu'on allait tourner donc samedi prochain. Je vous en dis pas mieux, vous verrez, hein. Abonnez-vous sur la fameuse chaîne Monde Orlésia pour suivre un petit peu, hein. Vous activerez la cloche de notification pour ne rien louper de chaque nouveauté qu'on vous mettra. Et puis voilà. Bon, aujourd'hui, ça sera cartomancie parce que je rentre, il est tard, il est 20h. Donc j'ai pas envie de me casser la tête. Et on va partir sur quelque chose de simple avec l'oracle de notre cher Soso, Solveiguir, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Donc l'oracle de Sceaux, qui est à l'endroit, c'est bon. On se fera les cartes de clos. Avec en format pocket les cartes de clos pour l'aspect guidance, énergie sentimentale, etc. Et puis le rond de cristal. Et puis c'est parti. Juste avant, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires gentils, vos mails, etc. J'ai pas tout lu pour tout ce que vous m'avez mis par rapport à la vidéo du week-end. Ça m'a fait très chaud au cœur. Je vous remercie profondément à tous. On verra, ça porte ses fruits. Pour le moment, bah voilà, ça suit son cours. Il n'y a rien qui est en place. Et on verra bien. Mais je pense que c'est un petit peu compliqué pour tout le monde. Et puis nous, on est particulièrement touchés par les mesures sanitaires qui sont, je trouve, trop extrêmes, vraiment. Pour une menace qui... Enfin, on va pas parler de ça, on va pas évoquer le sujet parce que c'est pas le thème, mais voilà. Et ce qui fait que nous, notre département, on est énormément touché par cette crise sanitaire et qui est en train de se transformer en crise économique majeure. J'ai plein d'amis qui sont en train de fermer, qui vont déposer le bilan parce que plus de trésorerie, plus de finances, plus de clients. On ferme toutes les 2 minutes. Alors j'aime bien parce qu'on n'est pas confiné officiellement. Mais bon, quand on voit toutes les mesures qu'on est en train de nous appliquer, on serait confiné, ce serait pareil en fait. Donc voilà. Donc on verra bien comment ça va se passer. J'ai même envie de vous faire une vidéo peut-être. Une vidéo spéciale qui sera dédiée un petit peu à ça pour voir s'il y a des choses dans l'avenir qui vont se débloquer, hein, pour déjà qu'on sache tous où est-ce qu'on va, parce que je pense qu'il n'y a pas besoin d'être voyant pour comprendre qu'on va vers quelque chose de grave, sincèrement. Sans parler de l'aspect sanitaire, c'est plus l'aspect économique qui va être touché. Et à mon avis, l'année 2020 va être assez folklorique en termes d'économie générale. Voilà, bon, sur ces bonnes nouvelles, j'espère que vous allez bien. Non, allez, on va essayer de pas y penser, hein, mais voilà. Allez, c'est parti pour nos énergies d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, lundi 12 octobre 2020. Lundi 12 octobre. C'est parti. Et nous avons l'été. Ah bah pas vraiment, non. Alors, pas du tout même, parce que alors, je sais pas chez vous, mais alors ici, qu'est-ce qu'on sky? Mais il fait froid, mais froid en plus, il pleut, il fait humide, c'est horrible, donc c'est pas du tout l'été, non, absolument pas. Non, ici, l'été pourrait nous parler soit d'une période de 3 mois, donc du coup octobre, novembre, décembre, donc ça porterait sur fin de l'année, début d'année prochaine. Donc ça peut soit nous parler ici d'une période de 3 mois, une période d'attente. Soit vraiment l'été, donc du coup ça porterait à juin de l'année prochaine.
Alors, ça fait combien ça? 3 mois, mars, 6, mai, juin, juillet, avril, mai. Donc, ça ferait 9 mois. Soit 3 mois, soit 9 mois. Ah, 9 mois, 9 mois, ça peut être l'annonce de quelque chose, hein, une bonne nouvelle. Pour moi, la période de l'été aussi, c'est la période où on est plus relâche. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, ça pourrait nous annoncer un lundi assez tranquille. Un lundi qui va s'écouler, voilà, de façon tranquille, rien de particulier. Attendez, attendez, il y a l'autre carte. Ça pourrait nous parler donc soit d'un lundi qui va être tranquille, un lundi un petit peu pépère, ça peut être peut-être votre jour de vacances aujourd'hui, hein, c'est peut-être que c'est votre jour de repos. Pour ceux qui sont dans le commerce, très souvent le lundi c'est le jour de repos, donc peut-être que c'est votre jour de repos et aujourd'hui vous allez faire relâche. Attention! Oh! La sexualité, ça nous parlerait ici d'épanouissement physique, ça peut nous parler aussi de sexualité. J'ai envie d'en prendre une troisième parce que vous savez comment je suis, moi quand il y a des cartes consultants ou des cartes de saison qui sortent, j'aime bien compléter avec une autre. Ah, oh, la colombe, c'est drôle, on l'a sortie, ben, on l'a sortie vendredi. Vendredi, qu'elle était sortie donc. On a quand même une forte ici, une forte. J'ai bugué. On a beaucoup de signes qui nous font penser ici à quelque chose en lien avec la paix, la tranquillité. Donc il se peut que ce soit un lundi assez tranquille, un lundi assez cool, où les choses vont se passer relativement bien, sans choses particulières. Hein, comme j'ai envie de dire, comme un début de semaine, comme une voiture qui fonctionne au diesel, qui se remet en route, là on y va tranquillement. Donc ça peut nous parler ici de quelque chose. Alors attention, ça peut aussi nous parler de quelque chose qui traîne en longueur. Parce que sexualité, je sais pas pourquoi, je pense aussi à des préliminaires. Donc ça peut nous parler peut-être de quelque chose qui traîne en longueur. Ça pourrait nous parler, c'est vrai que la période estivale aussi, c'est la période où les choses vont vraiment au ralenti. Beaucoup d'entreprises ont fermé et parfois quand on attend des réponses durant la période estivale, très souvent on ne les a pas avant la rentrée. Donc ça pourrait nous parler peut-être de retard ici. Hein. Je vous l'avais déjà dit vendredi avec la colombe. La colombe de Noé, lorsque Noé a envoyé la colombe pendant le déluge. La colombe, le temps qu'elle trouve le continent, qu'elle ramasse son petit brin d'olivier et qu'elle revienne vers Noé, ben, il s'est écoulé quand même un petit peu de temps. Donc ça peut nous parler ici de temps. On a encore une référence au temps avec l'été et la sexualité. Je ne sais pas pourquoi, ouais, j'ai vu quelque chose qui est en rapport avec le temps, les préliminaires, quelque chose qui est en rallonge. Peut-être même le fait d'en faire un peu trop. Peut-être un temps qui s'écoule. Alors, ça pourrait nous parler, pourquoi pas, d'une forme d'ennui aujourd'hui. Peut-être que la journée va être longue. Alors attention. Le fait que la journée s'annonce longue, ça peut être autant positif. Enfin, positif que négatif. Positif, ça pourrait être dans le sens où, oui, effectivement, la journée sera assez calme, trop calme, à tel point que chaque minute va durer 1 heure, hein, ça pourrait nous dire ça. Mais le côté négatif d'une journée longue et d'un temps qui ne défile pas, c'est au contraire des choses qui s'enchaînent de façon pas comme on voudrait. Et du coup, hein, par exemple, je sais pas, vous commencez, vous vous levez le matin, vous tapez le pied dans la commode, ensuite vous faites tomber la tartine sur le carrelage, ensuite la voiture qui a je sais pas quoi. Enfin, vous voyez, plein de petits trucs qui font que la journée commence bien et vous vous dites, oula, si ça commence comme ça, la journée va être longue et effectivement, la journée sera longue. Donc ça peut être soit un aspect pseudo-positif, soit un aspect négatif, mais je le vois pas forcément comme ça pour moi ici. Je pense qu'il y a plutôt un rapport avec le temps, quelque chose qu'on attend. Il se peut que ça prenne son temps. Alors soit c'est vous qui allez prendre votre temps, peut-être qu'on vous invite à prendre votre temps, puisque ici la sexualité, quand je parlais de préliminaire, ça pourrait nous parler d'apprendre, d'apprécier, de prendre son temps, hein, quand il y a quelque chose qui est plaisant. Et pour moi, je vois pas un aspect négatif, parce que la sexualité, bah, normalement, c'est censé procurer du plaisir, c'est censé être un bon moment, donc en théorie, c'est pas censé être une carte négative. L'été, on est bien d'accord que là, être sur cette plage avec le petit cocktail à l'ombre du palmier, etc., c'est quand même un moment aussi agréable. Et puis, la petite colombe qui vous annonce la paix, c'est aussi agréable. Donc, pour moi, ici, ça me parlerait plutôt d'un moment agréable. Peut-être que c'est quelque chose que vous... Ah oui, ça peut être ça.
Ça peut être quelque chose que vous attendiez depuis un moment, quelque chose que vous attendiez peut-être depuis longtemps aussi, et qui va enfin arriver. C'est vrai que oui, je suis en train de penser à quelque chose. Ça pourrait être quelque chose que vous attendez depuis longtemps et sur lequel vous aviez plus ou moins désespéré. Alors, soit ça peut être un truc que vous attendez depuis longtemps. Et vous aviez un petit peu renoncé, voire vous l'aviez oublié. Qu'est-ce que je pourrais vous dire, moi? Imaginons que vous aviez posé une annonce pour, je sais pas moi, n'importe quoi, un travail, une maison, on s'en fiche. Et puis, entre-temps, le temps a passé, et puis bah, vous, vous l'aviez oublié. Eh bien, vous pourriez peut-être avoir une réponse de l'annonce ou du truc que vous aviez fait déjà depuis un petit moment. Et ça pourrait s'avérer être positif. Vous pourriez obtenir une réponse positive, quelque chose qui pourrait vous faire plaisir. Ça pourrait être ça. Ouais, moi j'ai une forme de plaisir. Je pense que c'est quelque chose que vous attendiez, qui va peut-être arriver aujourd'hui, ou alors peut-être que vous allez avoir certains signes aujourd'hui qui vont vous montrer, qui vont un petit peu vous mettre sur la piste. Je vous parlais tout à l'heure de l'annonce. Ça me fait penser à. Ouais, comme si vous aviez laissé quelque chose, vous l'aviez oublié, vous en occupiez plus. Et puis, cette petite graine que vous avez plantée, elle a fini par germer et ça a donné un petit quelque chose. Alors, c'est peut-être pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'est un petit quelque chose de positif qui va peut-être enclencher quelque chose d'autre. Je sais pas ce qui me fait mon PC, il n'arrête pas de faire des écrans noirs. J'espère que la vidéo elle s'enregistre comme il faut. Ça me fait un peu peur. Donc pour moi ici, il y a un temps d'attente. Soit c'est quelque chose que vous attendiez, soit c'est quelque chose que vous attendez. Soit ça peut nous parler ici d'un retard, de quelque chose qui va peut-être s'éterniser, qui va prendre du temps supplémentaire, ou peut-être que c'est à vous de d'accorder et de donner un temps supplémentaire, un délai supplémentaire. Accorder du temps pour quelque chose qui vous ferait plaisir, quelque chose qui est en lien avec le plaisir. Parce que ça pourrait nous parler de la sexualité au sens propre du terme, mais là je pense qu'elle est métaphorique. Je la perçois pas enfin, comme concrète, vous voyez ce que je veux dire. Pour moi ici, le plaisir, il est au sens métaphorique. Je pense que c'est quelque chose qui vous fait plaisir et vous devez y accorder du temps. Il faut que vous y accordez du temps. On va voir avec les cartes de clos ce que ça pourrait nous donner en plus. Ah, on a la carte de la Terre. La carte de la Terre ici, c'est tout ce qui est rattaché, le symbole de la Terre, hein, c'est tout ce qui est rattaché au concret, au matériel, au physique, à la famille, à nos racines, à nos origines. Et on a la carte de la furie. C'est drôle parce que du coup, on a encore une référence au temps. La Terre, pour se développer, elle a besoin de temps. Hein. C'est-à-dire que la Terre, on ne peut pas lui demander de faire les choses rapidement. Quand vous avez un arbre qui commence à pousser, l'arbre, il ne va pas pousser en 15 jours. Il lui faut du temps. Quand vous avez, par exemple, l'activité tellurique, hein, les plaques, les montagnes, etc., ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps pour que les choses se fassent. Et ce temps, vous voyez, il nous est imposé. C'est-à-dire que lorsque vous plantez un arbre dans votre jardin, vous pouvez pas exiger à cet arbre qu'il pousse tout de suite. Non, vous êtes obligé d'attendre. Hein. Et puis si vous pouvez pas attendre, ben, il faut déraciner un arbre dans une forêt puis vous le planter tel quel. Mais sinon, voilà, on nous demande ici, on nous impose du temps. Et c'est peut-être ici la même symbolique, à savoir ce temps qui est imposé, mais qui n'est pas non plus insurmontable. C'est-à-dire que, je vais reprendre la sexualité, quand vous faites des préliminaires, c'est un temps supplémentaire qu'on rajoute au rapport, mais c'est pas un temps qui est pénible à vivre. Hein. Se faire des bisous, des câlins, c'est pas quelque chose de pénible, au contraire. Donc ici, pour moi, il y a cet aspect de ne pas se précipiter, puisque The Dash, c'est la carte de la furie. Donc la furie, c'est le fait d'aller à toute allure, donc ne vous
précipitez pas aujourd'hui, mais au contraire, prenez le temps de faire les choses, accordez-vous du temps, accordez du temps. Alors peut-être que vous venez de vous mettre en couple et là on vous suggère de laisser le temps faire les choses, ne précipitez rien. Ça peut être un nouveau travail, peut-être que vous allez commencer aujourd'hui. Bon ben accordez-vous du temps, soyez tolérant avec vous dans le sens où vous ne pouvez pas tout maîtriser du jour au lendemain. Accordez-vous ce temps, prenez le temps de faire les choses. Mais ici, pour moi, il y a vraiment une notion de temps. Juste par curiosité, on va prendre une autre carte. Oui, The Shot. The Shot, c'est la chasse. Pareil, la chasse, c'est quelque chose qui est rapide. La chasse, alors... Je ne suis pas du tout pour les chasseurs, vraiment pas du tout, hein, qu'on soit bien d'accord. Moi, je suis un grand fervent de la protection de la nature et des animaux. Je suis anti-chasse. S'il y avait des chasses à faire, ce serait les chasseurs. Je verrais bien les animaux avec des fusils qui chasseraient les hommes. Ce serait plus drôle. Complètement barge, Jonathan. Oui, mais j'assume. Mais la carte de la chasse dans sa symbolique, quand on est chasseur, quand on a une proie, on prend du temps pour analyser sa proie. C'est-à-dire qu'on lui fonce pas dessus comme ça, tête baissée. Non, on va prendre du temps, on va analyser ses gestes, on va analyser ses habitudes pour justement tendre des pièges et essayer d'optimiser notre chasse. Donc il y a encore, vous voyez, cette notion de temps. Autrement dit, la chasse ici nous indique que s'il y a quelque chose que vous convoitez, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes fixé un objectif, un but à atteindre, une destination où aller, ne vous précipitez pas, ça sert strictement à rien, prenez votre temps. Au contraire, si vous précipitez, vous risquez de tout faire foirer. Donc au contraire, prenez votre temps, analysez les choses aujourd'hui, donnez-vous du temps et prenez le temps pour bien comprendre ce qui vous entoure, bien comprendre ce que vous vivez, bien comprendre la situation dans laquelle vous êtes. Et accordez-vous du temps. Et imposez aussi du temps. Parce que parfois, on peut être pressé par des gens qui nous imposent des délais. Mais parfois, ces délais, on ne peut pas les respecter. Par exemple, au travail, on ne peut pas respecter tel délai parce qu'on a déjà d'autres choses à faire et à traiter avant. Ça peut être, par exemple, dans la famille, on nous impose certains délais, mais on ne peut pas les traiter parce qu'on a nous-mêmes des choses à faire. Vous voyez, dans la vie de tous les jours, parfois, les gens nous imposent du temps, nous imposent des délais qu'on ne peut pas tenir. Donc, imposez-vous. Si on vous dit voilà, tu as tel temps, non, analysez le truc, voyez si c'est réalisable. Si c'est pas réalisable et que ce n'est pas réaliste, alors imposez le délai que vous vous fixerez en fonction du jugement que vous serez fait. J'ai la langue, j'ai du mal à enchaîner les mots. Quand on parle au conditionnel, ça devient vite compliqué. Il y a des temps comme ça en français, ils devraient les supprimer. Le conditionnel en fait partie. Mais voilà, imposez le temps dont vous avez besoin en fonction de la situation une fois que vous l'aurez analysé et prenez ce temps. Voilà, allez, on part maintenant sur le rond de cristal. Je sais pas pourquoi je vois des démarches administratives. Ça me fait bizarre, j'ai fermé les yeux et j'ai vu cette carte. Un dénouement malheureux. Ah ! Ah 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 ! Une nouvelle arrive. Bien. Alors, pour moi, je vous parlais de conditionnel. Et je pense que c'est pas un hasard que je vous ai parlé du conditionnel. Puisque le temps conditionnel, dans la langue française, c'est les choses potentiellement qui peuvent arriver. Mais ça ne veut pas dire qu'elles vont arriver. Et pour moi, le dénouement malheureux, je le vois comme un potentiel risque si, justement, vous ne respectez pas ce que je viens de vous dire. Je pense qu'il y a un enjeu. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se jouer et il y a un enjeu. Et si jamais vous ne prenez pas le temps, que vous vous précipitez, que vous bâclez quelque chose ou que vous faites quelque chose qui est trop rapide ou ça peut être aussi dans le sens trop prématuré. C'est-à-dire que peut-être il faut passer par certaines étapes avant de vous lancer corps et âme, avant de donner votre réponse, avant de réaliser ce que vous voulez faire. Prenez ce temps parce que si vous grillez certaines étapes, si vous allez trop vite, si vous ne lisez pas les petites lignes qu'il y a dans le contrat, vous risqueriez d'avoir un dénouement malheureux pour une situation précise ou la situation, comment on pourrait dire,
la situation qui va se présenter aujourd'hui. Pour moi, ici, le dénouement malheureux, il est potentiel, il est au conditionnel. Je ne le vois pas comme une affirmation. Je ne le ressens pas du tout comme une affirmation. Et la nouvelle qui arrive, ça peut être lié. Ça peut être peut-être cette nouvelle situation qui arrive. Et par conséquent, si vous la gérez avec trop de rapidité, trop de furie, elle va être bâclée et elle va connaître un dénouement malheureux. Après, la nouvelle qui arrive, ça peut être autre chose aussi. Une nouvelle, ça peut être sous forme de lettres, de colis, un appel, un mail, une nouvelle. Une nouvelle en règle générale. Et ça peut être une nouvelle, si on va un petit peu plus loin, ça peut être soit une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, donc peut-être une rencontre. Ça peut être une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité. Ça peut être une nouvelle chose dans le domaine professionnel. Hein. Ça peut être soit une nouvelle personne physique, une nouvelle, comment on pourrait dire, métaphorique, hein, quelque chose qui englobe, ou une nouvelle de façon générale. D'accord? Voilà donc pour nos énergies du jour, les amis. Allez, sur ce, donc, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous. Ah oui, je voulais demander un truc. Je sais pas si vous avez vu, je suis sûr que vous avez dû le voir. J'adore ce pull je l'ai taché avec de la javel. J'ai tout essayé. J'ai essayé du marqueur noir, tout. Je trouve rien. J'ai absolument tout essayé. Si quelqu'un a une astuce pour reteinter les fibres qui sont délavées, je suis preneur. Voilà. Bon. C'est un appel comme ça. Allez, sur ça, je vous fais tout plein de gros bisous. Passez une très belle et une très bonne journée. On essaye de se retrouver dans la semaine. Je vais vous caler des choses là. Rattraper un petit peu tout le retard que j'ai. Enfin, le peu maintenant qu'il me reste. Et je vais vous faire des vidéos aussi avant de me lancer le week-end prochain dans les préparatifs du sabbat. Je vais essayer de vous faire des choses là. C'était un peu graveleux là, ce que je viens de vous dire. Essayer de vous faire des choses. Surtout avec la carte de la sexualité, les préliminaires. Hein, ouais, vous l'avez senti aussi que c'était graveleux. On est d'accord. Allez, passez une très belle et une très bonne journée. On se retrouve demain pour les nouvelles énergies. Prenez bien soin de vous. Gros bisous.